on va tester le tir en rafale du Brownie New Police. Alors, pourquoi j'étais absent pendant 3 semaines? Je vais vous expliquer, ça va être très très rapide. Alors déjà, je suis en cours d'inspiration, vraiment, je suis vraiment en cours d'inspiration. Et secondo, le site où je fais des montages d'habitude, bah, ça fonctionne très très bien, sauf que là, bah, le site, il veut rien savoir. Des fois, là, par exemple, je filme, on me voit en couleur, etc. Et bah, imaginez-vous que la vidéo est écrasée et tout en jaune. On peut faire ce qu'on veut, ça fonctionne pas. Donc, je mets énormément de temps. Je crois que je mets au moins 2-3 jours pour sortir une vidéo de 10 minutes. Donc, voilà quoi. C'est pour ça que je suis un peu long pour sortir des vidéos. Et voilà. Donc, là, vous inquiétez pas, j'ai réussi à trouver de l'inspiration, les gars. J'ai réussi à trouver de l'inspiration. Là, il y aura celle-ci qui va sortir. On va tester les petites cartouches de lance-fusée. Par contre, désolé si vraiment ça tremble, les gars. On va tester les petites lance-fusées. Voilà, je les ai commandées. Je dois les recevoir dans pas très très longtemps. Donc voilà. Et pour d'ailleurs aussi, parce que j'ai fait une annonce sur Instagram. C'est pour ça que je vous dis, rejoignez-moi sur Instagram parce qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, il est affiché en bas et dans la description. Il y aura directement le lien. Tu me suis, c'est rapide. Et en fait, là, on va faire un concours. Enfin, un concours, c'est même pas considéré comme un concours. En fait, on va faire gagner des sous à des abonnés. Par exemple, ceux qui sont chauds pour faire des vidéos, on va mettre plusieurs, par exemple, plusieurs ballons, d'accord, du couleur, je crois, noir. Comme ça, on verra pas la poudre qu'il y a dedans. Je mettrai de la poudre, soit vert, soit rouge, ou etc. Quoi. Enfin, la couleur des billets. Et si un abonné casse, par exemple, le ballon où il y a la poudre rouge, l'abonné gagnera 10 euros. Si un abonné pète le ballon qui est vert, il gagnera 100 euros. Et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris un peu le système. Je trouve que ça pourrait être cool comme ça. Bah, on vous fait participer aussi à des vidéos. Et puis voilà. Et aussi, pour ceux qui veulent participer, on se fera un petit truc, un barbecue ou un petit truc comme ça. Je pense que ça pourrait être cool. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Là, on va aller directement dans le champ. D'ailleurs, il y aura énormément de vent, les gars. Il y aura énormément de vent. Donc, je tiens à m'excuser par ailleurs. Et voilà, donc je vous laisse sur ça. Et je vous dis, ok, les gars, j'ai oublié juste de vous dire quelques petits trucs avant de commencer la vidéo. L'arme, le Brownie New Police, faut savoir qu'elle prend que 5 cartouches, d'accord. C'est pour ça que là, dans la vidéo, l'arme, je la chargerai pas. Elle sera prête à l'emploi parce que j'en ai déjà chambré une. Et comme ça, elle est prête à tirer. Et là, du coup, on pourra tirer 6 cartouches parce que 5 cartouches c'est vraiment pas assez pour faire un test, voir si l'arme elle s'enraye souvent ou pas. Donc même 6 déjà c'est vraiment très peu. Donc voilà. Et aussi les gars, si vous avez des idées de vidéos, s'il vous plaît, donnez-moi des idées, des déballages. Et regarde, attends, je fais une petite pause. Regardez-moi les gars, là. Où est-ce que je suis les gars? La voiture elle est dégueulasse. Je suis dégoûté. Je vais vous montrer ça après. Donc les gars, si vous avez des idées de vidéos, attends, je crois qu'on finisse dans le champ quand même en vidéo, je suis un peu bête. Si vous avez des idées de vidéos à faire par des présentations d'armes ou des trucs avec des abonnés, ça pourrait être cool. Il y a une balle de jeu. Oh. Et la voiture, les gars, je vous montre comment la voiture elle est sale. Parce qu'en fait, faut savoir, les gars, qu'on a tourné une vidéo avant celle-ci. On a tourné la vidéo test Brownie P4, pardon. Brownie P4, on l'a testé, sauf que bah. On avait déjà fait la vidéo. Du coup, c'est pour ça qu'on était déjà venu. On a retesté là ou bah ici là. Et la voiture elle est dégueulasse. Donc je vais vous montrer. Je vais vous prendre le téléphone vite fait. Hop, et là. Attendez les gars. Je vais vous montrer comment la voiture elle est super dégueulasse. Je vais vous montrer. Bon là ça va encore. Là c'est pas ouf. Là c'est pas ouf, ça va. Hop, attendez, je cache ma plaque. Et là, regardez-moi tout ça. Là. La voiture elle est dégueulasse les gars. J'ai trop le seum. Je suis vert. Oh là là, moi c'est pas grave. Donc, je vous dis bon les gars, on va tester le Brownie New Police. C'est parti, petite arme. Comme je vous ai dit, c'est cartouche déjà, une chambrée, prêt à tirer. C'est parti, on va tester. 3, 2, 1. Voilà, déjà, elle tire pas. Super. Wow. Enrayé. Déjà, une enrayée. Super. Alors, attendez. Les gars, comme on peut voir, l'arme s'est enrayée. Voilà. Donc, super. Hop, attendez. On va récupérer le truc tout de suite. Ok, on en a déjà une. C'est parti. Deuxième tir. Parce que c'est ici exactement où est-ce que je vais choper la maladie de Lyme, les gars. C'est là. Wow. Ok. Oh, c'est bon, ça va. Bon, elle s'est enrayée juste une fois. On va ramasser tout ça et je vous fais le débrief dans la voiture, les gars. Bon, les gars, petit débrief du Brownie New Police. Bon, il n'est pas aussi éclaté qu'il en a l'air. Alors, pour une arme de poche, ça va. Les deux défauts que j'ai remarqué le plus souvent, c'est quand on tire la première fois, c'est un double action en fait. Et le problème, c'est que quand des fois je tire,
et la cartouche ne sort pas, je suis obligé de tirer deux fois. Donc déjà le premier petit hic, et comme vous avez vu, la première cartouche que j'ai tirée, elle s'enrayait directement. Alors elle s'enrayait sur 6 cartouches. Après j'aurais bien aimé voir sur beaucoup plus de cartouches, genre par exemple il y en aurait eu 10, 12, ça aurait été mieux. Mais bon, là pour l'instant je suis plutôt content de cette arme. Et voilà quoi, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Les gars, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, ça ferait plaisir. À vous abonner, à me rejoindre sur la chaîne Twitch, les gars, très important. On est 200 et quelques, je sais pas combien. Donc venez, ça fait grave plaisir pour ceux qui aiment bien le gaming, tout ça. Parce que je sais que c'est très difficile de ramener des gens de YouTube sur Twitch et vice versa. C'est hyper compliqué, mais voilà, comme ça au moins, ceux qui aiment pas trop les armes et qui préfèrent plus le gaming, vous avez Twitch pour me suivre. Ceux qui n'aiment pas le gaming, vous avez YouTube pour me suivre. Et vice versa, c'est carré. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les gars. Donnez-moi des idées en commentaire, comme je vous ai dit, c'est très important. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Salut. It's black and white.